je m'appelle Léo Lagarde, je suis en catégorie cadet. Je suis victorieux aujourd'hui Saint-Étienne. Moi c'est Lucas Chenel, en junior première année, 3 victoires cette année. Et puis, voilà. Moi Malogro de Manche, junior 2, je suis deuxième aujourd'hui, puis j'ai une victoire cette année. Bon, les conditions étaient pas faciles aujourd'hui, hein? Non, c'était dur, il pleuvait plein, il y avait beaucoup de boue. Bon, on connaît le circuit par cœur là? Oui, on s'entraîne tous les jours dessus. Terrain très glissant, avec la pluie en fin de course, j'ai très froid. J'étais gelé. Voilà. Il y avait de la concurrence un peu? Ouf, oh, ça allait, on a réussi à partir dès le début avec Lucas, donc c'était bien. On a fait la tête. On a fait du début à la fin. Bon, quelles sont les difficultés de ce parcours? La boue. Ouais, voilà, la boue. Ouais. Il y a des petits dénivelés quand même. Non. Le champ du curé aussi, ouais, ça c'est dur. On a pris les petits dévers qui étaient bien vivants. Bon, qu'est-ce qui vous attend comme compétition maintenant? Eh bien, à Dole samedi en équipe, l'américaine, et puis. Bah déjà dimanche Fontaine et Vesoul. Voilà. Après on verra bien. Bah, et puis le championnat de Lorraine le 4 décembre. Bon, tu suis les pas de Steve, Raymond et tout à clic. On verra. T'as la bonne école là, qu'est-ce qu'il te donne comme conseil? Bah Raymond c'est le coach à toute l'équipe. Donc, ouais. Il nous donne avant chaque course. Puis voilà. La Montchanel qui fait quatrième hein, derrière Cyril Fraisse, c'est pas mal pour un vieux. Il en a chié, hein, Raymond. Il a fait une belle course. Qu'est-ce qui vous reste à travailler, les gars, puisque vous êtes en devenir? Moi, encore mon technique. Je suis pas assez bon encore en technique. Pour bien prendre les virages, et j'ai un peu de mal quand il y a de la boue. J'ai tendance à glisser. Moi, le physique, hein, la force, la technique, ça va. Oh, bah, moi, beaucoup de choses. Puis essayer de passer les planches, ce serait bien. Vous êtes des vrais spécialistes de cyclocross ou bon. vous préférez la route? Moi, je préfère la route. Je suis plus routier. Je fais le cyclocross pour préparer les saisons de route, en fait. Et moi je déteste la route et je fais que du cyclocross. Non mais pareil. Mais je me force à faire de la route quand même.